We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willy Wood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. What's up people, Willy Wood Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes, you know, en train de prendre soin de vous. Et que vous êtes en train de boire beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud dernièrement. Avant d'aller plus loin, oui, parce que moi je vous dois des explications, parce que je ne peux pas disparaître comme ça d'un coup, pendant un mois sans vous donner le podcast. Et après, pour pas autre, pour vous dire que je suis désolé et ce n'est pas très responsable de ma part. Alors, j'essaie de jouer le gawane pour vous faire un podcast chaque semaine. Là, je me rends compte que je ne peux pas. Faut être honnête envers soi-même et envers les autres. Je ne peux pas faire un podcast chaque semaine. Donc, du coup, je vais retourner à la routine de un podcast toutes les deux semaines. Ça, c'est raisonnable. Et ça, je pourrais tenir la distance. Right? Alors, j'étais en train d'écouter un podcast cette semaine et le monsieur, il disait je suis désolé, ces temps-ci, j'ai pas pu poster des podcasts. J'ai pas pu poster des épisodes. J'étais là. Il n'y a pas que toi. Non, j'arrivais vraiment pas à poster parce que j'ai pas mal d'activités. Mashallah. Et donc, du coup, je suis ultra débordé. Et après, je suis fatigué. Et il y a des jours, en fait, j'ai pas trop la voix. Parce que pour parler, il faut le fond. Right? Donc, et moi, j'essaie de parler doucement. Mais après, je m'emporte très vite dans mon podcast. Et quand je suis fatigué, ça se sent. Et quand je parle longtemps, je suis encore plus fatigué. Ce qui fait que je peux pas trop m'exprimer dans le pod. Parce que je vais vous donner un pod de qualité. De la qualité. Les people. Alors donc du coup, j'aime pas quand je bâcle le pod. Donc quand j'ai un peu de temps pour enregistrer un podcast, je suis à deux doigts de l'enregistrer. Après je me dis, mais William, si tu l'enregistres, tu vas le bâcler le pod. Et les gens qui écoutent le pod, c'est des gens de qualité. Ils n'ont pas besoin que tu bâcles quelque chose que tu leur donnes. Et je sais que la plupart d'entre vous, ils préfèrent que j'attende quand j'aurai plus de temps. Mais quand même que je vous respecte. Que je puisse trouver une bonne chronologie de poste. Toute personne qui poste, qui se respecte, doit faire ça. Vous préférez mille fois ça plutôt que je bâcle un pote et que je vous l'envoie. Et quand je bâcle un pote et que je vous l'envoie, je vous dis rien. Je dis rien de concret. Absolument rien de concret. It is what it is. Alors, donc, les gens, on va retourner à la routine de deux podcasts par mois. Et on va faire en sorte de partager le podcast au maximum pour pouvoir reach beaucoup de gens. Oui. Oh, there is this thing dont je voulais vous parler aussi. Mais je vais attendre après. No, I'm not getting married. Oui, merci. Keep calm. Calmez-vous. Arrêtez de... Les gens qui étaient en train de sauter dans leur tête là, arrêtez de sauter. Les gens qui pensent... No, I'm not getting married. Thank you. C'est pas ça, hein? C'est pas ça comme nouvelle, voilà. Calmez-vous, merci. Buvez de l'eau. Voilà, I'm not getting married. Alors, mais oui, Sénégal. Maintenant, dès que tu t'apprêtes à relancer une nouvelle, it's like, I'm gonna get married. Ouais, en fait, j'ai un ami, il m'a appelé cette semaine. Il m'a dit, oh, mais j'ai une belle nouvelle pour toi. Je lui ai dit, you're gonna get married. Parce que franchement, j'en ai marre. À chaque fois que les gens, ils m'appellent, they're like, I'm gonna get married. Stop getting married, this much people, you know. Non, mais j'adore après quand les gens ils se marient comme ça, parce que ça me fait plaisir. You know, people are happy, and I love that so much. Right, people? Alors les gens, j'espère que vous allez tous bien. You know, j'ai envie de parler de cette chose. Vous savez, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il faut se donner le droit de commencer. Faut se donner le courage de commencer. Faut s'accorder le fait de commencer quelque chose. Alors quand je vais dire commencer, j'aimerais bien mettre les points sur les i très tôt au départ. Faut que we don't need it to be about business. Faut pas cette fois que ce soit à propos d'un business, parce que on a plein de personnes qui parlent de comment commencer un business ou trouver la motivation pour commencer un business. Moi cette fois-ci, ce que je vais vous dire, c'est comment commencer une nouvelle chose dans votre vie. C'est comment explorer des choses dans votre vie, parce que ça c'est très important. You know, parler business, c'est très important, mais il y a des gens qui sont plus habilités à le faire. Moi, je suis pas l'un des meilleurs pour le faire. And that's why I'm gonna talk about comment commencer quelque chose, you know, qui va changer votre vie, qui va donner un autre taste à votre vie,
qui va vous permettre de voir les choses différemment. Parce que comme il disait Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus, you know, essayer de voir les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle, ça aide beaucoup. Alors il a demandé à ses élèves de monter sur le bureau. Alors tout le monde, ils sont tous montés sur le bureau. Et si vous êtes au bureau, let's try this exercise. You know. Si vous êtes au bureau, mettez-vous debout sur votre bureau. Ou mettez-vous juste à genoux sur votre bureau et regardez votre bureau, regardez votre siège. Et vous allez voir le bureau d'une autre manière. Si vous êtes dans votre chambre et que vous avez l'habitude de voir votre chambre du point de vue de votre lit ou du point de vue de la porte de votre chambre, asseyez-vous à la fenêtre et regardez votre chambre. Sinon, couchez-vous et regardez le plafond. Right? Ou sinon, essayez de grimper quelque part. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez l'habitude de voir. Hein? Je vous le dis, hein? Prenez de la hauteur et regardez la chose, vous verrez la chose différemment. Si vous êtes dans votre resto ou quelque chose comme ça, si vous êtes dans votre voiture, si c'est clair que si vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir derrière, asseyez-vous derrière et regardez votre voiture différemment. Asseyez-vous sur le capot avant de la voiture et regardez à travers la vitre et regardez la voiture différemment. You know, si vous avez l'habitude d'aller au resto, changez de siège et regardez le resto différemment. You know, vous verrez à chaque fois que quand vous regardez les choses différemment, vous voyez d'autres choses. C'est comme le premier jour que tu vois une rue, le premier jour que tu découvres quelque chose, tu vois un nouveau truc. You see something new, right? You see something brand new. Que dire? Quand ta femme, elle change de coiffure et qu'elle change d'habillement et qu'elle change tout et qu'elle change ton style vestimentaire, toi, dans ta tête, tu as vu une nouvelle personne. You see someone new, a new person. Et quand tu marches dans la rue et que tu as l'habitude de venir tout le temps par la droite, yo, tout le temps par la droite, gagne. Tu vas par la droite, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Un jour, tu quittes la gauche pour venir vers la droite. Tu vois une autre perspective, tu vois les choses d'une manière différente. Et tu te dis, mais attends, et je ne savais pas que le boucher là, il avait ça comme viande. Je ne savais pas qu'on voyait ça de cette manière-là, qu'on voyait ça de cette manière-là. Il faut savoir, en fait, changer sa manière de voir les choses. Mais changer sa manière de voir les choses, c'est pas de la magie. Ok, mais changer ma manière de voir les choses. Non, tu changes la perspective. En changeant la perspective, ça vient ensemble. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein. Tout se transforme. C'est pas tu es là, tu veux aller devant ta porte, tu te téléportes. Nice, le jeu de mots. Hein. Ouais, je veux aller devant ta porte et tu te téléportes pas. Faut que tu marches. Ou sinon, il faut que tu trouves un hoverboard. Ou sinon, il faut que tu trouves un skate. Ou sinon, que quelqu'un t'amène là-bas. Mais dans tous les cas, tu y vas. Quand tu marches, ou si tu es sur un hoverboard, ou bien si on te déplace, c'est différent. Mais dans tous les cas, tu quittes d'un point A pour aller dans un point B. Right? Mais les perspectives, les manières d'y aller sont très différentes. Et alors, dans la vie, c'est la même chose. Right? Et ensuite, quand tu veux démarrer quelque chose de nouveau, just allow yourself. Il faut beaucoup s'autoriser parce que beaucoup ne, comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup ne s'autorisent pas à essayer de nouvelles choses. Beaucoup ne s'autorisent pas à explorer. On a arrivé à un certain âge, on s'installe dans notre routine de vie et on n'a pas envie de commencer de nouvelles choses, on n'a pas envie d'explorer. Et je vais vous raconter une petite histoire, peut-être je l'ai déjà fait dans le podcast, but I'm gonna do it again. Je vous l'ai probablement déjà raconté, c'est l'histoire de comment j'ai démarré le podcast là. I was talking to my girlfriend at that time. Ouais. Et je lui disais que je voulais faire un podcast. Et elle m'a donné une application pour le pod. Et je l'ai gardée pendant longtemps, cette application-là. Et je ne l'ai pas utilisée. But the 10 day, je suis sorti de ma douche du matin. J'ai regardé le téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Là, j'ai fait la bande-annonce. Et c'était un mercredi. Le mercredi suivant, je fais le pod. Et pourtant, ce qui m'a poussé à enregistrer sur le coup, je me suis juste dit, tu sais quoi, William, on va regarder finalement l'application là, comment elle fonctionne. En vrai, c'était ça. Je me suis dit, William, on va regarder comment cette application là fonctionne. Et donc, du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai ouvert, sans micro, rien. J'ai ouvert et j'ai commencé à enregistrer. I was like, some people, little boy here, welcome back, you know, bienvenue sur mon podcast, c'est une suite logique, de, you know, the podcaster, YouTube content creator, machin, je sais pas le plus quoi. Et ça, c'est parti de là, je me suis dit, William, on garde ça, c'est très bon, on garde ça. Et du coup, j'ai gardé, et j'ai mis une musique dessus, ça passait, parce que j'apprenais comment faire.
Ils m'ont donné une musique, j'ai mis. Derrière, j'aime bien la musique, j'ai gardé. J'ai vu que ça pouvait être une bande-annonce. J'ai dit, ok, on garde comme bande-annonce. Et j'ai publié. J'ai vu que je pouvais publier, j'ai publié. Et j'ai partagé les liens. Je me suis dit, ok, je démarre un nouveau podcast. And then go. Et en deux temps, William, il avait un podcast. Et la semaine suivante, je me suis préparé comme pas possible. Then I was like, well, yeah, you just prepare yourself. Tu enregistres un pod, un épisode, and you make it happen. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai enregistré l'épisode and you know, here we are, troisième saison du podcast. J'ai du mal à tenir, mais j'essaye. I'm really trying so hard to keep this podcast like aligned, to keep this podcast, you know. Mais au moins, je l'ai fait. Et pour moi, ce qui compte le plus, c'est que je me sois autorisé à commencer un podcast. C'est que je me sois autorisé à essayer quelque chose de nouveau. Et moi, en fait, c'est ce qui compte le plus. J'ai exploré, j'ai tenté. Et ça a marché, en fait. And I love that. This is a brand new thing and this is just incredible. Alors, il faut s'autoriser plusieurs choses. La plupart des choses que que je fais actuellement, je me les suis autorisées. Il faut s'autoriser à explorer. Je fais beaucoup de photos. J'étais pas photographe avant. Mais j'ai dû... Je vais vous raconter une histoire. Je trouvais que c'était bête d'aller à l'université pour apprendre la photographie. Hein? Oui, aujourd'hui je suis photographe. Je vis de ça. Mashallah. Je me suis autorisé à faire de la vidéo. Parce que pendant longtemps, je voulais faire de la vidéo. Mais je me disais, William, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Tu ne peux pas te permettre de faire plusieurs choses à la fois. Vu que je voulais faire aussi YouTube, j'ai essayé. Je me suis filmé un matin. Je voulais faire YouTube. Un matin, je me suis filmé. Et toute la journée, je me suis filmé. J'ai parlé à la caméra. Le soir, j'ai posté le vlog. Et c'est passé. Les gens ont aimé. Certains m'ont dit, mais William, c'est magnifique. D'autres m'ont dit, mais William, c'est quoi ça? Tu démarres quelque chose de nouveau and everything. Et dans la semaine, j'ai dû convaincre mes amis qui savaient déjà que moi, j'étais sur Facebook et que je partageais des trucs sur les jeux vidéo. J'ai dû les convaincre que oui, maintenant je suis sur YouTube et je fais des vidéos. Alors, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis convaincre les gens que oui, I'm doing something new, que j'aime. Et des fois, les gens, ils ont peur de devoir... c'est pas si c'était juste eux, ils allaient essayer des choses nouvelles. Pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, hein. Parce qu'il y en a, ils ont juste peur d'essayer des choses nouvelles. Ils, elles, ont juste peur d'essayer de nouvelles choses. Mais faut s'autoriser à y aller. Tu te regardes, tu te dis, ok, dans la vie, je peux parler de moi-même, boire, tout ça. Mais essaye quelque chose de nouveau. Just try, ça donne du sel à ta vie. Vous voyez ce que tu ressens quand tu viens de rencontrer une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux, you know, hein? Ces trucs-là que tu ressens. T'es tout le temps content, tout le temps contente. Elle t'envoie un message, ou il t'envoie un message, t'es là, oh my god, ta journée est illuminée quand la personne te parle. Quand tu sais que tu vas voir la personne, ou bien quand pendant une seconde tu te rappelles que la personne là est dans ta vie, ta vie elle est illuminée. C'est la même chose. À des degrés différents, mais c'est quand même la même chose. Tu observes une activité, you try something new. Et quand tu te rends compte que tu aimes l'activité, ou tu es tombé amoureuse de l'activité, l'activité elle te change ta vie. Là, tu te dis, oh my god, I got this activity, this brand new activity. C'est les gens qui vont te dire, j'ai découvert cette nouvelle chose, je l'aime comme pas possible, j'arrive pas à arrêter. C'est tout simple, c'est ça. Tu découvres cette nouvelle chose, tu n'arrêtes pas, tu te fais plaisir. Parce que dans la vie, il faut apprendre à se faire plaisir. Et j'ai l'habitude de dire, vu que je m'adresse souvent aux croyants, hein, ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas écouter le pod, parce que Botigui, c'est ce bon pour être de glou. C'est que ça. Parce que le pot, toutes les parties ne sont pas pour tout le monde. Quand je parle des hommes, les femmes ne sont pas concernées. Quand je parle des femmes, les hommes ne sont pas concernés. Donc quand je parle des croyants, ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas concernés. Et s'il arrive que je parle de ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui sont croyants ne sont pas concernés. Exactly. Right. Alors je disais, tu t'accordes ce moment de faire ce que tu dois faire. Then you know you're right. You allow yourself. You're like, this is a brand new thing in my life, and ça me fait plaisir. Et tu autorises à la chose de changer ta vie. Sauf comme dans les bobs, non, la chose va y arriver. La chose va changer ta vie. Tu apprends une toute nouvelle chose et you let it slide. You let it get into your life
and you let it slide. Et tu as un nouveau skills et comment on appelle ça? Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure parce que je suis allé dans une explication exponentielle. Donc, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive dans le pod. Vous avez un peu l'habitude que moi je me perde dans mes mots parce que je m'étale, je commence à parler. Après, je me dis, William, c'est pas ça que tu voulais dire de base. Mais c'était pas ça que tu voulais dire de base. Mais finalement, tu vas trouver autre chose. Et à the end of the day, je trouve toujours autre chose. Et on continue le podcast comme ça. Alors, je disais, quand tu trouves quelque chose de nouveau, ça te change ta vie, ça t'encense ta vie, ça te met du sel dans ta vie. Right? Et très vite, tu verras que quand tu vas trouver de nouvelles choses, tu pourras, grâce à ces nouvelles choses, trouver de nouvelles personnes. Parce que quand on trouve une nouvelle activité, je vais vous rapporter ça, c'est la joie. Le truc de la joie, c'est... Le premier réflexe de la joie, c'est de le partager. La tristesse, c'est de rester tout seul, c'est de s'isoler. Right? La joie, c'est de la partager. C'est ça le premier réflexe de la joie. Dès que tu as de la joie, tu veux la partager. Donc, dès qu'une activité te rend heureux, te rend heureuse et que tu apprends quelque chose dessus, tu veux partager cette activité. Mais par contre, tu ne veux pas qu'on te la gâche ton activité parce que tu ne veux pas que les gens viennent te dire « Ah, li kase, ah, li, ah, man li yefoudof la, ah, man li mom nek masi, ah, ah. » Tous les « ah » là, toutes ces négativités là, tu ne veux pas que ça entre dans ta vie. Donc du coup, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher des gens qui font un peu ce que tu fais. Tu vas chercher des gens qui découvrent un peu l'activité comme toi. Tu vas chercher des gens qui sont dans cette activité comme toi. Et là, bah, tu fais de nouvelles rencontres, tu rencontres de nouvelles personnes, tu as de nouveaux amis. Et peut-être, tu as des gens avec qui tu pourras travailler plus tard. Et si tu n'es pas marié, maybe you're gonna be married with those persons. Et tu as de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Et pourquoi? Parce que vous partagez un sujet en commun, vous partagez une passion en commun, et vous partagez des délires. Et vous vous faites plaisir. Vous parlez de ça. Et c'est tout bête. De fil en aiguille, vous allez créer quelque chose. De fil en aiguille, vous allez parler d'autres choses. Et de fil en aiguille, vous allez apprendre à vous connaître davantage. Vous allez être de meilleurs amis. Vous allez tisser des relations que les gens ne sauront pas d'où ça vient. Hein? Ça, ils vont se dire, mais vous-même, vous allez vous dire, mais de base, on s'est connus parce que tu aimais le tricot. J'aimais le tricot. J'ai découvert le tricot. J'aimais beaucoup. Oui, il y a cette dame là qui fait le tricot sur Instagram. Mais Mona Cham, she's great. I mean, I don't know her, mais j'ai vu ça. Et quand j'ai parlé de tricot tout de suite, j'ai pensé à elle. Je me suis dit, ce serait bien de talk about her in the pod. You know, she does so much thing and she's amazing. Alors je disais, tu rencontres quelqu'un, tu dis, mais oui, depuis que j'ai commencé le tricot, ça me permet de faire le tricot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le tricot? C'est de quand tu tricotes, hein? J'ai oublié comment ça s'appelle en Wolof. Oh my god. I'll find it. Mais je pourrais pas mettre ça dans le podcast, malheureusement. Rab. Exactly. En Wolof, ça s'appelle Rab. Right? Alors, tu trucs le tricot et tu rencontres quelqu'un et tu lui dis. La personne te dit, mais oui, moi, ça me permet de me détendre, de faire le vide dans ma tête, de me reconnecter avec moi-même. C'est une forme de méditation, le tricot pour moi. Même si c'est assez légèrement réfléchi, quelque chose comme ça. C'est une forme de méditation et ça me permet d'être en connexion avec moi-même. Tu te dis, mais oui, moi aussi, ça me permet d'être en connexion avec moi-même. Je me sens bien quand je tricote. J'ai essayé ces nouveaux modèles-là. J'ai essayé les couleurs-là. Est-ce que tu as déjà essayé le type de fil-là? Machin chose. Bouf, de fil en aiguille, vous parlez de tricot. Et vous tricotez ensemble, vous traînez ensemble. Vous allez acheter vos fils ensemble, vos aiguilles ensemble. Vous parlez, vous devenez amis. Ou potes, ou connaissances, dans tous les cas, vous vous connaissez et vous échangez par rapport au tricot. Et des fois, ça part plus loin. Et c'est un peu comme ça. Dans un peu toutes les activités, il faut se donner l'autorisation d'explorer. Il faut se donner l'autorisation de foncer. Il faut se donner l'autorisation de commencer quelque chose de nouveau. Alors, le neuf fait peur à beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser emporter par la peur. Alors, le seul moyen de vaincre la peur, c'est de l'affronter. Très facile à dire, difficile à faire. Right? Quand j'étais plus petit, j'avais très peur du noir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affronté le noir. En faisant quoi? En allant dans le noir. Ben maintenant, j'adore le noir, moi. C'est pas comme si j'aimais pas quand il faisait clair. Mais maintenant, j'adore être dans le noir. Je trouve pas de problème du tout à être dans le noir. Ce qui, je parlais à une dame ce matin qui est globetrotter et qui a une page Instagram qui est magnifique. Elle s'appelle Amfatou. Et Amfatou, elle me disait, affronter ses peurs
te permet de te surpasser et de devenir une nouvelle personne. Right? Ça te permet de te surpasser, de surpasser les challenges et de devenir une nouvelle personne, de gravir les échelons de qui tu es. En gros, c'est pas les mots qu'elle a utilisés, but that's what she's been saying. It allows you to be a better person. Ça te permet vraiment d'être une meilleure personne, de vraiment gravir les échelons de ta vie, de gravir les échelons de qui tu es. Right? Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. It's a whole nother level. Désolé pour le background noisy, si vous l'entendez. Et c'est un peu ça, en fait. Affrontons nos peurs. Ne les laissons pas dominer nos vies. Ne les laissons pas prendre le dessus sur qui nous, on est supposé être. Et ce qu'on est censé faire dans la vie. Parce que ce qu'on est censé faire dans la vie, même nous, on ne sait pas. C'est tellement large, c'est tellement fort, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses que notre potentiel d'être humain peut faire. Il y a tellement de choses que notre potentiel d'être humain est capable de faire. Et je pense, Charlie Chaplin, il disait, « You, the people, got the power to create machine, to create happiness, to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. » Right? Nous, les humains, on a ce don de créer les machines, de faire de cette vie une vie libre et une vie magnifique. Hein? Et de faire de cette vie une aventure magnifique. Alors, faire de ta vie une aventure magnifique, c'est vivre ta vie au summum possible. Hein? Tout en te souvenant que ta liberté commence là où s'arrête celle des autres. Donc, en route, Boulton Ken, hein, sur tout ton cheminement. Pourquoi j'ai dit un comme ça, moi aussi? Mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, je suis là, hein? William, ça va pas, non? Alors, je disais, sur tout ton cheminement, ne marche pas sur des têtes. Parce que, les gens ont beau te dire ce qu'ils veulent. Parce que la vie de l'homme ne dure pas. J'ai l'habitude de le dire, je l'avais dit une fois dans le dernier podcast. Nous, les hommes, maintenant, nous vivons maximum 60, 80 ans, maximum 100 ans. 90 ans, 100 ans. Alors que si on meurt, quand on va mourir, la vie là-bas va durer plus longtemps. Que ce soit Paradis Ngedjem, que ce soit Safari Ngedjem, whatever, c'est plus longtemps. Hein? Ah, je déteste mes ans là. Alors je disais, ça va durer plus longtemps. 90 ans, c'est rien de l'autre côté. Donc, Boulen Alalo Aduna Djaral Dara. Boulen Banero Aduna Djaral Aïnek Fi di Yakal Kenen, ou la di Petekal Kenen, ou de faire disparaître le Kenen. Ce worsek. Loudou ce worsek do tu jot. Donc, laisser un être humain jot si worsekam, d'où le terre jot yaw ti se worsek. Kenen di dundu worsekam, terre ou yaw nga dundu ce worsek. Ce worsek, it's yours. It's yours to go and chase it and have it. Avoir quelqu'un di dundu dundam, di dundu si worsekam, di ko encaisser, moulay nakhari, lol du yofu nit. Et s'il y a des gens qui le vivent, il faut arrêter ça à cet instant. Parce que Gis Kenan Didem, même si vous êtes dans le même field, Gis Kenan Didem, graoul, parce que yo tamit da nga wara dem. Bu sa heure jotul do dem. Ça faut que ce soit clair dans la tête de chacun. Quand tu vois quelqu'un s'en sortir dans la vie, tu l'envies, c'est très normal. Mais faut pas laisser cette envie là ou cette jalousie là te bousiller la vie. Mais faut passer à autre chose, faut laisser ça passer. J'en ai déjà parlé, hein. Faut laisser cette envie-là passer. Non, j'en ai marre de mes ans là. Faut laisser cette envie-là passer. Et toi, passer à autre chose. C'est pas parce que cette personne arrive à s'en sortir et que tout ce qu'on lui a donné comme grâce dans la vie, tout ce qu'on lui a accordé comme grâce dans la vie, bah, est en train de lui arriver. Et que toi, ça va pas arriver. Non. Les grâces sont parallèles. Wursak, de fois parallèles. Ce Wursak, c'est Wursak Mourom, de fois parallèles. Ça veut dire que Fibre 30 ans, ils ne sont pas censés se s'entrecroiser. Alors, amener les wursak entrecroisés, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire que wursak bi wara ñew ci yow day ñew ci yow. Ça n'a rien à voir avec wursak bu nek bu ci kenen. Donc, ce qui veut dire que le fait que une personne soit riche ne va pas faire que toi, tu vas être pauvre. Donc, laisse la personne là enjoy son wursak. Sa richesse d'argent, sa richesse de mental, sa richesse amoureuse and everything. Bayi ko mu dund ko parce que du sa bossam la. Yo sa boss dina ñew pour toi ça va venir parce que yalla waxul ken dara. Dieu a donné à qui il veut de la manière dont il veut et accepter la manière dont Dieu a réparti les choses
fait de toi un meilleur croyant. At the end of the day, accepter la manière dont Dieu a réparti les choses fait de toi un meilleur croyant. Dieu est tellement incroyable que quand tu vas mal, yo, quand tu as un petit truc qui te fait mal, on t'enlève des péchés, on te supprime des péchés. People, it's super fine. Quand tu as de l'argent, tu as de l'argent, c'est pour toi. Yo, ya remonte. C'est pas parce que tu as de l'argent qu'on va te mettre des bacards, qu'on va t'écrire des péchés. Non. Mais quand tu as mal, quand tu souffres, on t'en supprime des péchés. Peu importe à quel point tu souffres, l'homme gagne bari, nous gagne le supprimer les péchés. Vraiment le souffle gagne d'aime jamais ça. Mais c'est juste pour vous dire. Bolanato aduna d'abé si Dieu, hein, il met des choses, des épreuves sur ton chemin, et que ces épreuves là tu les vis, mais et que c'est dur pour toi, mais dis-toi que on t'enlève des péchés. Mais par-dessus tout, si ces épreuves là tu les vis sans rechigner, sans créer des problèmes, tu les surmontes. En plus, mais on te met des hasanat. What do you guys want more? Donc ça veut dire, bon, que c'est adn di moun souwangon, tu es énervé, tu es li, tu es là. Yangi moun, tu as mal, on t'enlève des péchés. Tu t'en sors, yangi moun, waro dara, tu remercies Dieu. Mais on t'ajoute des hasanat, on t'ajoute des bonnes actions. Hey, people, this is a whole nother level. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez pas compte, hein? And this is how it is. This is how it works. Allow yourself to start something new. Let people live what they live. Be you, do you. Live you. Ah ouais. If you do that, and when you do that, you're gonna make the rest of your life the best of your life. Whatever people they may say or try. Peu importe ce que les gens vont te dire. Si tu fais ça, tu vas faire de ta vie une meilleure vie. Tout ce qui te reste à vivre là, tu vas faire de ça une meilleure vie. Et oui, je m'emporte dans le pot parce que je me rends compte d'une chose et c'est juste incroyable. Ah bah oui, si on a de la colère en soi et que la colère là, on la garde, on ne l'exprime pas, on la canalise, on la laisse slider. Dieu, il t'écrit tes bienfaits. On te met des hasanats, des pluies de hasanats. Do you guys realize? Oh, people. Voilà pourquoi il faut apprendre, hein? Il faut s'éduquer. Quand quelqu'un décide d'aller loin dans la vie, la personne doit s'éduquer. Alors s'éduquer, c'est pas juste nous dire « je ne vole pas, je ne mens pas ». Non. S'éduquer, c'est aussi apprendre à se connaître. Ça, c'est la base. Quand tu as fini d'apprendre à te connaître, il faut accepter qu'on a des côtés chez nous qui sont sombres. Tout le monde en a. Il faut travailler sur ces côtés-là. Quand tu travailles, il faut d'abord ne pas se mentir. Quand tu ne te mens pas, c'est là que tu acceptes que tu as des côtés sombres. C'est là que tu acceptes que tu as des défauts. C'est là que tu acceptes que tu n'es pas parfait. Et là, tu travailles sur ces côtés-là. C'est un travail éternel pour la plupart. No one is going to be perfect. Mais tu travailles sur toi, tu deviens une meilleure version de toi-même tous les jours. Ça veut dire que tu es un meilleur, moi, ce problème. Tu es un meilleur. Ce n'est pas de la nourriture, du khalis, du temps, du dara, du meilleur, dara. Si tu commences à travailler sur ça, au début, tu es un meilleur. Mais 5 mois plus tard, tu vas commencer à dire 5 000, 10 000, 20 000. Tu vas commencer à donner des affaires. Au départ, tu vas donner des affaires. Après, tu vas commencer à dire 5 000, 10 000. Parce que le vrai sacrifice, hein, le véritable amour, c'est donner quelque chose auquel tu tiens. C'est ça que tu as dit, tu vois, c'est ça un sacrifice. Sacrifice. C'est du sacrifice. Tu donnes à quelqu'un quelque chose, toi aussi tu en as besoin. Je parle, mais j'ai du mal. Hein. Même moi, j'ai du mal à donner à quelqu'un quelque chose dont moi j'ai vraiment besoin. Parce qu'on a un attachement sentimental, on a une énergie qu'on met sur chacune de nos affaires. Donc, quand tu dois offrir cette chose-là à quelqu'un, ou bien que tu dois t'en débarrasser, bah, c'est très dur. Bon, c'est dur. Tu vois? Et when you do that, tu t'en sors. Quand tu apprends à le faire, tu t'en sors. C'est très dur d'offrir une chose à laquelle tu tiens le plus. Voilà pourquoi c'est très dur d'offrir son cœur. Voilà pourquoi beaucoup hésitent à offrir leur cœur. Voilà, y a des gens qui vont te dire je tombe amoureux n'importe comment. Mais après, tout le monde ne se connaît pas. Il y a des gens qui laissent l'amour leur ravager la vie.
alors qu'ils se connaissent pas vraiment. Donc du coup, you're not self-aware. Dans la vie, il faut être self-aware. Donc du coup, c'est des mots que je sors comme ça, difficile de vous expliquer ça comme ça. Mais en fait, être self-aware, en gros, j'ai pas l'explication du Larousse ou du Wikipédia, mais être self-aware, c'est au courant de tout ce qui se passe émotionnellement et physiquement, tournure et changement dans ta vie. Quand tu es au courant et que tu sais, tu connais le pourquoi ça arrive et des fois tu sais comment régler ça, ou bien si tu connais le pourquoi, tu vas savoir comment aller régler ça. C'est ça, être self-aware. Et moi, je me dis que dans la vie, il faut être self-aware. Parce que quand tu es self-aware, tu arrives à régler plein de problèmes. Ayeouni, merni, djarse kergye, parce que khamou l'khem. When you self-aware, tu te réveilles, hop, tu te rends compte que tu es énervé. Tu te rends compte que tu es énervé. Pourquoi? Et là, tu te poses directement la question du pourquoi. Or, je suis énervé parce que j'ai mal dormi ou je me suis mal réveillé. J'ai pas assez dormi, donc du coup, je suis énervé. Vu que je suis énervé, je vais essayer de méditer un peu et de me calmer. Comme ça, mon calme. Voilà. Si tu es en retard, malgré ton réveil, tu es en retard, donc tu n'as pas le temps de méditer, tu vas boire du thé, boire des meligéi. Tu vas boire du lait, soit des meligéi. Ou bien tu vas essayer de te calmer le plus possible ou ne pas trop parler aux gens. Et ou bien tu vas dire aux gens, ah non, t'es né comme un ordre, quoi, il n'y a pas de problème, t'es. Ou bien tu just don't talk. Les gens vont te dire, mais dis-le là. Ah, t'as une nez, t'as une nez, t'as une nez. Tu vois? Que devient le talk ce coin? Alors, when you're not self-aware, c'est la personne qui va se réveiller toute énervée d'un bureau. Dire, c'est n'yop, coute le monde, dire, c'est. Tac, c'est quoi? Kergi, tac, c'est n'yop, n'yop, mère quoi. Non, dis-le, t'as des jaunes, souvent orange, guinan, souvent rouge. Oui, parce que la personne, elle n'est pas self-aware. Donc, du coup, elle ne peut pas anticiper sur chacun de ses sauts d'humain. La personne ne peut pas anticiper sur ce qui va lui arriver, ce qui est en train de lui arriver, comment régler ça. Non, parce que la personne n'est pas self-aware. Quand tu n'es pas self-aware, le lieu peut nous régler, peut nous anticiper, peut nous qui. Et donc du coup, you gotta be self-aware. Et by being self-aware, by talking about self-awareness, il faut essayer quelque chose de nouveau. Et les gens, il faut essayer comment être self-aware pour les gens qui ne le sont pas. Alors, 80% des gens qui écoutent ce podcast sont self-aware. 80% des gens qui écoutent un podcast de nos jours sont self-aware. Et ils savent un peu ce qu'est le self-awareness. Parce que le podcast, ce n'est pas tout le monde qui écoute un podcast. Faut se dire la vérité. Faut vraiment se dire la vérité en face. Tout le monde n'écoute pas un podcast. Certaines personnes ne connaissent pas encore, mais vont aimer. Certaines personnes aimeraient bien, mais ne savent pas encore où écouter. Certaines personnes, tout court, n'aiment pas. Et ne trouvent pas l'utilité d'écouter un podcast parce que eux, dans leur tête, il y a déjà la radio où ils n'aiment pas juste écouter quelque chose. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer. Donc, du coup, la plupart des gens qui sont dans le pod là sont self-aware. So, like, ils savent. Ou bien, ramener self-awareness, ou bien on essaye d'être plus aware ou quelque chose comme ça. Alors, les gens, j'ai ce code pour vous. Le code ne vient pas d'un film ou quelque chose comme ça. Ce code-ci, il vient d'un autre podcast que j'ai écouté. Il vient du podcast de L'Air Podcast. Et ils avaient invité un monsieur qui s'appelle Michael. Et ce monsieur, c'est un ami de JP. JP, c'est un des protagonistes de ce podcast, right? Il fait le podcast avec sa femme. Alors, le monsieur, il avait dit, le courage, c'est quelque chose qui se forge. Et je pense que ce monsieur, à moins que je me fourvoie, il était pilote. Il est pilote. Et donc, du coup, il a un peu expliqué comment il a fait pour être pilote et tout. Et c'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui a eu à faire face à beaucoup de choses dans sa vie. Et ce monsieur, il dit, le courage, ça se forge. Alors, un peu pour rappeler que, je m'explique, comme j'ai l'habitude de dire dans le pod, quand je dis un quote, je m'explique. Le courage, ça se forge. Right? Le courage, c'est pas quelque chose qui you know, d'un coup, voilà, on a le courage. Quand t'es beau, guise, zéro le commencer. Amoul, quand t'es beau, commencer ou le zéro. Sauf que commencer un, dem si kao. Right? Donc, du coup, pour avoir le courage, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher, le courage. C'est quelque chose, quand tu as peur de quelque chose, tu te donnes l'occasion d'aller affronter la chose. Je le disais plus tôt. Tu te donnes l'occasion d'aller affronter la chose. Les plus grands courageux ne sont pas des gens qui ne ressentent pas la peur,
mais ce sont des gens qui ressentent une peur qui la contrôle et la transforme en autre chose. Il y avait un grand roi qui disait, en fait, seuls les fous ne ressentent pas la peur. Parce que le fou, il ne réfléchit pas. Matasek mor danane, khel moy tey te dof amul khel. Right? Motax dof du wachu. Est-ce que vous comprenez? Dof mon lek simbalit parce que khel moy tey te khel amuko. Donc vous comprenez un peu? Et donc du coup, seul un fou n'a pas peur. Donc le plus grand combattant que vous avez vu dans l'histoire, que ce soit Hector, que ce soit Achille, que ce soit Hercule, que ce soit un autre héros, ce sont des héros qui ont eu peur, qui ressentaient de la peur, mais qui l'a dompté. C'est comme on dompte un lion. Il faut apprendre à identifier, il faut accepter d'identifier sa peur. Pour identifier sa peur, il faut aller au-dedans de qui l'on est. Identifier la peur là, et savoir que c'est telle peur, c'est ça. Par exemple, c'est la peur de l'eau, c'est la peur du noir. Tu identifies cette peur, tu regardes ce que la peur te fait à toi, tu affrontes cette peur. Tu dis, ok, la peur là me fait ça, et ça donne tel effet. Donc du coup, il faut que je trouve un moyen de supprimer cette peur. Fanley dougé fi, donc fi la tête. Donc la peur, c'est là que ça agit, donc je vais commencer à fermer par là. Je vais affronter la peur. Mais c'est facile à dire, difficile à faire. C'est au fur et à mesure qu'on affronte des peurs. Tu essayes. Et des peurs, on n'en a pas qu'une seule, on en a beaucoup. Dès l'instant où tu te lèves, que tu décides d'affronter tes peurs, là, tu as le courage d'affronter une peur. Tu as le courage d'affronter une autre. Tu as le courage d'affronter une autre. Et là, tu as ton courage qui grimpe. Tu as le courage de oser. Tu as le courage d'essayer. Donc, ton courage se forme. C'est comme ça qu'on se forge un courage. Et c'est comme les gens qui se forgent des carapaces, des gens qui se forgent des boucliers. Tout, c'est au fur et à mesure. Darakhayul rek tak mouki mou arrivé mou créé, tu vois. Même Dieu, il a créé le monde en plusieurs jours, hein. Donc pour avoir un courage, et il faut avoir du courage, parce que cette vie est tellement, croyez-moi, cette vie est tellement dure qu'on a besoin de courage pour pouvoir avancer. Il faut vraiment ce courage là c'est très dur dans la vie. Parce que sinon, tu vas avoir peur d'échouer. Tu vas avoir peur d'avoir mal. Tu vas avoir peur qu'on te brise le cœur. Tu vas avoir peur de ne pas t'en sortir. Ou bien tu vas avoir peur de réussir. Parce que tu te dis, mais si je réussis, je ne pourrai pas gérer. Il faut avoir le courage d'y aller. Il faut se donner la force d'y aller. Il faut affronter le fait que tu as peur de réussir pour réussir. Tu dis, ok, mais j'ai peur de réussir parce que moi, si je réussis, je ne vais pas pouvoir. Les gens, c'est ça, je vais en faire un podcast, hein. La peur d'échouer et la peur de réussir, ça, je vais en faire un podcast. Parce que souvent, les gens, ils savent pas que beaucoup échouent parce qu'ils ont peur de réussir. Pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Il y en a qui ont peur d'échouer. Ah, là où je suis, il commence à pleuvoir. Il y en a qui ont vraiment peur d'échouer. Voilà pourquoi ils échouent. Mais il y en a qui ont peur de réussir. Et bah, cette peur de réussir-là fait que ces personnes-là échouent. And you guys, you don't want that. Is that the wind? Oui, j'ai vu quelque chose qui bouge tout seul dans le noir. Alors qu'il n'y a personne dessus, je me demande si c'est le vent. Parce que oui, il y a du vent. Alors, je disais, cette peur de réussir là, elle existe. Et beaucoup ont cette peur de réussir là. Et il ne faut pas accepter de laisser la peur de réussir te consommer, te consumer. Oh, William, that's nice. Te consumer et te consommer. Et donc, du coup, un peu, c'était ce que je disais par rapport à ça. Le courage, ça se forge. Le courage, ça se travaille. Si tu as du mal à avoir du courage, cherche des mentors, cherche des accompagnants, cherche des amis. Et il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a peur de quelque chose. En fait, la peur, c'est comme une addiction. Quand tu n'en parles pas, ça te dévore de l'intérieur et tu ne peux pas t'en sortir. Et une chose qui te dévore de l'intérieur et dont tu ne peux t'en sortir, c'est une chose qui risque de te tuer. C'est une chose qui va t'enterrer vivant. Et, you know, it's gonna consume you. Ça va vraiment te consumer de l'intérieur. Right? Et c'est un peu ça que la peur, elle fait. Elle te consume de l'intérieur, elle ne te laisse pas vivre. Donc du coup, si tu as autant peur et que tu ne sais pas gérer toi-même, communique sur ta peur. Parle à des gens en qui tu as confiance, écris sur ta peur, identifie ta peur et comme ça, tu pourras t'en sortir. Il y a plein d'anecdotes. Il faut essayer. Et franchement, quand on n'essaye pas, on ne sait pas. J'ai l'habitude de dire oui, mais je vais vous raconter une histoire. L'histoire du siècle, un jour,
C'était un râteau, le râteau de ma vie. Une fille m'a flanqué un râteau et ce que je lui dis, c'est, mais si, tu n'es, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. La vie, la fille m'a dit, moi je lui tégale des bails de machin, je trouve c'était il y a très longtemps. Je lui tégale des bails, ouais, j'ai des sentiments, que je suis amoureux, les bails et tout. La goma regardé, elle m'a dit, ça ne va pas marcher. Et moi, moi je lui dis, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. L'audace. Mais en réalité, c'est ça. En réalité, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Donc c'est un peu comme c'est, imaginez si j'avais la peur de parler à la fille, bah si je n'étais pas allé lui parler, bah j'allais pas savoir que elle n'en a rien à cirer de moi, et donc j'allais rester scotché sur ça. C'est, il faut y aller, hein, il faut y aller. Vos crushs là, les crushs que vous avez là, 350 000 crushs que vous avez dans le monde là, et donc vous avez peur de les perdre ou quelque chose comme ça, il faut y aller. Moi je vous le dis, le courage ça se forge, il faut y aller. Vous avez cet ami autour de vous. You guys got feelings for that person. Je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast. Il faut y aller. Parce que des fois, dans tous les cas, la personne, tu finis par la perdre. Soit elle meurt, soit elle s'éloigne de toi, parce que, ou tu te maries, ou quelque chose comme ça. Ou des fois, vous êtes un peu plus éloigné. Donc du coup, go chase that person that you got feelings for. Au pire des cas, tu vas juste te rendre compte que la personne n'avait pas de sentiments pour toi. Ça, c'est le pire des cas. Parce que tu ne vas pas en mourir. Et si vous êtes deux adultes très normaux, vous allez rester chacun dans la vie de l'autre. Si vous ne restez pas chacun dans la vie de l'autre, c'est que vous n'alliez pas rester dans, chacun dans la vie de l'autre. C'est que cette connerie-là, vous avez laissé cette connerie-là prendre le dessus. Hmm? Après, c'est très dur d'aborder ces types de thèmes-là parce que c'est compliqué. Hein? Mais un peu... Oui, je me suis approché un peu de la mer, il y a du vent. Mais vous comprenez un peu... Écoutez ça. Aujourd'hui, dans l'épisode là, je fais ce que je veux. Le bon moment d'arrêt, je fais un peu ce que je veux. Après, vous comprenez un peu tout ce que je veux dire en parlant. Le courage, ça se forge. Il faut s'autoriser à faire des choses. Il faut s'autoriser à go forward, à try something new, to elevate yourself, to just kill it. You guys are amazing. Il y a un monsieur qui disait ça. I know something about you, even not knowing you, that you got greatness within you. Moi, je vous connais pas, mais je sais que toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là ont un potentiel mais incroyable. You guys are amazing. Ce qui a fait que vous êtes mis là, vous avez mis vos écouteurs, vous avez démarré l'application pour écouter le podcast, c'est parce que vous êtes amazing. Toi qui m'écoutes, toi, tu es amazing, tu es incroyable. You want to go forward, don't allow yourself to go forward and go. Try. Be you, do you. Live you. Oui, j'ai ajouté à nouveau. And yeah, it is what it is, people. Hey les gens, ça m'a fait ultra plaisir d'avoir enregistré ce pod avec vous. C'est toujours un bonheur et un plaisir d'enregistrer le pod. Et surtout, c'est quand j'ai des retours par rapport au pod et que des gens me disent ce que le pod a fait pour eux. Enfin, que moi, je m'y attends pas. Right? Moi, ce que je fais, c'est que je partage mes expériences and everything. Oui, je vous ai dit ça mille fois. Mais je partage quand même. Right? Et je partage ce que vous m'apprenez et ce que d'autres amis et ce que la vie m'apprend. Et quand ça aide d'autres personnes. Mais ça me fait trop plaisir. Et quand les gens me disent, ouais, tu as parlé de ça, tu en as bien parlé. Alhamdulillah, I mean, thank God. C'est pas moi, c'est Dieu qui m'aide à, you know, talk this much and talk to you and change. You know, écoutez le podcast en tout temps, partagez le pod, faisons grandir cette communauté, que plus de gens puissent connaître le pod, puissent en parler davantage, qu'on puisse plus tard avoir des rencontres, organiser des forums, organiser, you know, des choses autour du pod, hein, avec d'autres personnes qui font des podcasts. Ça va être trop top ça, hein. Partagez tout ça, qu'on puisse mettre ça en place, qu'on puisse s'éclater, s'amuser et faire des choses de malade. Right, people? On se voit on se voit pour le prochain podcast. Je dis plus de date, moi. So buckle up, people, parce que you and I in this boat, je vais essayer de garder la continuité. We are going to kill it.